Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de maillots de bain. Vous savez que je suis en partenariat avec Cupshe et que ce sont des maillots de bain que je trouve très très bien, rapport qualité-prix. Ce sont des maillots de bain qui viennent certainement d'Asie, je ne saurais pas dire exactement. Mais sachez que j'ai eu beaucoup de questions concernant ce e-shop là. Et notamment des personnes qui me disaient qu'ils retrouvaient des maillots de bain Cupshe sur AliExpress. Oui, ils ont un shop sur AliExpress, mais sachez que ce sont des anciennes collections. Alors vous pouvez faire des très belles affaires, vous avez des très beaux modèles, mais les nouveautés, vous ne les retrouvez pas sur AliExpress, c'est vraiment les anciennes collections. Donc aujourd'hui, on va parler surtout de nouveautés. J'ai commandé cette fois-ci des maillots de bain, mais aussi des vêtements de plage, des robes, des choses comme ça, pour voir un peu la qualité, pour me faire un avis. Alors, comme vous le savez, c'est pas parce que je suis en partenariat avec Cupshe que je vais dire que du bien de cette marque-là, ils le savent. En général, j'aime bien, mais je vais quand même dire ce que je n'aime pas. Sachez que vous aurez tous les liens en barre d'informations, que vous avez un code promo parce que je suis en partenariat avec eux, que je vous mettrai juste ici, et en barre d'informations avec les liens. Au fur et à mesure de la vidéo, je vais vous mettre les prix et les photos et je vais faire les essayages. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer ce que j'ai choisi sur le site. C'est parti. Alors, par quoi je commence? Est-ce que je commence par des robes ou je commence par... Ouais, je vais commencer par les tenues de plage. Oh, j'aime beaucoup la matière. On dirait de la soie. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment ça se met? Je sais pas comment ça se met, mais alors la matière, je vous jure, on dirait de la soie. C'est assez impressionnant. Polyester, mais je vous jure qu'on dirait de la soie. Donc on est sur une robe de plage comme ceci, assez longue, fendue, donc très très fluide dans les couleurs un petit peu brique camel. Elle est très très jolie, j'ai vraiment hâte de tester, mais par contre je pense que je vais regarder la photo du site avant de l'enfiler parce que j'ai un petit doute avec la ficelle. Je sais pas du tout comment ça se met, donc je vais regarder un peu sur le site parce que j'ai des gros doutes sur comment l'enfiler. Je pense que je mettrai un maillot de bain en dessous pour voir ce que ça donne avec un maillot de bain en dessous, parce que c'est censé être une tenue de plage, et clairement avec un soutien-gorge avec ça, bon, ça va pas faire très très joli. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez une fermeture sur le côté, mais qui est de la couleur de la robe, donc ça c'est très mignon, mais elle est vraiment de très belle facture, et je suis absolument bluffée par la matière, parce que vraiment, elle est hyper agréable, et on dirait vraiment de la soie. Bon écoutez, franchement, cette robe, j'adore la matière, j'adore ce que ça donne sur le mannequin, mais sur moi. Alors du coup, ça fait de l'électricité statique et ça colle, on voit même mon nombril en transparence. Clairement, moi je peux pas porter ça sans soutien-gorge, donc du coup j'ai mis un soutien-gorge, et ça se voit juste ici, donc peut-être avec un soutien-gorge, vous savez, qui a pas un centre aussi foncé. Pourquoi pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. La couleur, j'aime beaucoup, forcément, pour l'été. C'est vrai que c'est une très jolie couleur. Mais est-ce que je porterai ça? Je ne sais pas. J'attends vos avis pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Mais c'est très particulier comme petite robe. Je ne sais pas du tout quoi en penser. Elle est très bonne facture. J'adore la matière, j'adore la couleur. Mais sur moi, je ne suis pas convaincue. Ensuite ici, autre chose, autre esprit. On est sur une tenue de plage jaune. Alors, jaune, hein, pour le coup. Voilà, une tenue comme ça que vous enfilez par-dessus donc votre maillot de bain. Donc, c'est fendu sur les côtés et vous avez une ceinture avec. J'aime beaucoup aussi la matière. C'est une matière un peu coton, assez fluide. Et sur le tissu, vous avez un tissage qui fait que vous avez... En fait, des motifs un peu floraux. Voilà, comme ça. J'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'il y a un revers sur les manches. C'est très joli. Et le col est en V. Donc ça, clairement, quand on est bronzé, c'est très joli. Les finitions sont top. Je n'ai absolument rien à dire. À essayer, on va voir ça tout de suite. Alors, la petite tunique jaune pour sortir de la plage. Je trouve ça vachement bien, en fait. Franchement, c'est joli. J'aime bien la couleur. La texture est très agréable sur la peau. Ça fait décontracter. En même temps, ben, vous pouvez mettre des petites sandales avec. Ça passe en petite robe, franchement c'est mignon, c'est très très bien, elle est bien finie, le textile est très agréable, très naturel sur la peau, très doux, non, j'aime bien, je valide en petite robe de plage, je trouve ça très très bien. Troisième robe, alors celle-là je l'avais vue sur la chaîne de Tata, tu regrettes ta couplée mobile, je vous mettrai le lien voilà, en barre d'informations, et elle m'a donné envie d'essayer cette robe-là. Alors comme ça, on dirait pas que ça donne grand-chose, mais en fait, a priori, il faut
tirer sur la ficelle ici pour pouvoir régler la robe et faire que en fait elle se règle à votre taille. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime bien le fait que ce soit en fait ben, en fait ça épouse le décolleté. Je trouve ça très mignon. À voir ce que ça donne sur moi. Sur elle, c'était superbe. Mais alors sur moi, est-ce que ça va aller? Je ne sais pas. Bref, on va voir ça tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de voir vraiment ce que ça donne sur moi. Alors la petite robe, ben, comme je vous le disais, elle est très mignonne. Ça se règle en fait avec un petit cordon ici au milieu pour pouvoir la resserrer ou pas. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, vous pouvez la desserrer pour faire plus ample. Et après, vous resserrez pour en fait la mettre à votre taille. Et ça, je trouve ça vachement ingénieux parce qu'au niveau du résultat, après une petite robe de plage, je la trouve vraiment mignonne. Je crois qu'elle existait en plusieurs couleurs, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site pour aller voir, parce que elle est vraiment mimi pour une petite robe de plage. Je vous le dis, ça paye pas de mine comme ça, mais je trouve que le rendu est vraiment mignon comme tout. Maintenant qu'on a fait les robes, on va pouvoir passer au maillot de bain. J'ai essayé de prendre des modèles assez différents cette fois-ci. Je crois que j'ai pris du 2 pièces et du 1 pièce. Honnêtement, je me souviens plus trop parce que, comme à chaque fois, les modèles partent extrêmement vite. Et du coup, j'ai commandé des modèles avec mon partenaire, et le temps que il fasse la commande, bah, c'était déjà en rupture de stock. Donc du coup, bah, j'ai commandé des choses, c'est passé en rupture de stock, j'en ai commandé d'autres, et je ne sais plus ce que j'ai commandé vraiment. Donc on va voir ça tout de suite. Là, on est sur un maillot de bain. Ah, je me dis, mais comment c'est... Comment les seins sont très écartés, mais non, en fait c'est l'arrière. Hop, donc ça c'est l'arrière, donc tout tressé comme ça. Et à l'avant, vous avez des triangles. Vous nouez en dessous et vous venez remettre dans le dos, je suppose, pour pouvoir créer, en fait, ajuster le maillot de bain à sa taille. Ensuite, ça c'est derrière le cou. J'aime beaucoup la couleur. Et le bas est comme ceci. Il est très échancré. J'ai un peu peur que ça me rentre dans le cucu, hein. Mais on va voir. Et j'ai un peu peur que ça saucissonne au niveau des nœuds sur les côtés. Par contre, comme d'habitude, très belle facture, très belle finition, rien à redire sur la qualité. Les maillots de bain sont épais, il y a des étiquettes partout, enfin la protection au fond de la culotte et tout, enfin il y a des coussinets qui sont amovibles. Non, vraiment, la qualité, j'ai rien à dire. C'est vraiment... Après, de toute façon, comme tout maillot de bain, ça dépend de la forme, ce qui vous va ou pas, comment ça taille. C'est vrai que c'est assez compliqué. Si d'ailleurs vous avez une taille différente en haut et en bas, je vous conseille d'aller dans l'onglet Mix and Match, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez dépareiller les maillots de bain et prendre une taille différente du haut et du bas. Par exemple, si vous avez beaucoup de hanches mais une petite poitrine, vous pouvez prendre par exemple un 38 avec du 42. Voilà, donc ça c'est l'avantage. Alors, le petit maillot de bain kaki. Écoutez, j'ai l'impression d'être saucissonnée comme pas possible là-dedans. Pour pouvoir le serrer et mettre en fait, soutenir un petit peu la poitrine, il faut vraiment serrer et du coup ça me crée des petit boudin ici. Voilà, parce qu'autrement je trouve que c'est pas assez soutenu. Au niveau du derrière, j'aime beaucoup le fait que ce soit tressé comme ça. C'est très joli. Après, je trouve que c'est un peu échancré ici. Ça me dérange un petit peu parce que je pense que si vous marchez sur la plage, ça vous rentre dans le derrière. Après, je comprends tout à fait qu'il y en ait qui assument. Moi, c'est pas mon cas. Donc, si vous cherchez quelque chose d'échancré, ça peut vous correspondre totalement. Mais c'est vrai que c'est pas totalement ce que je recherche non plus. Donc, voilà. Par contre, effectivement, vous bronzez mieux du fessier quand c'est comme ça. Il est mignon. J'aime bien la couleur. J'aime bien les détails. Mais c'est pas une forme qui est faite pour moi, je pense. Ensuite, deuxième maillot de bain. Là, on est dans les jaunes blanc. Alors c'est à chaque fois envoyé dans des petites pochettes séparées. Alors ici, on est sur un maillot de bain triangle comme ça. Voilà, il est très joli. J'aime beaucoup parce qu'en fait, comme d'habitude, je vous le dis, mais les attaches sont en métal et ça tient beaucoup mieux dans le temps. Donc c'est réglable. À l'arrière, vous avez une attache comme ça en métal, hop, pour sécuriser votre maillot de bain, donc ça c'est cool. Les coussinets sont amovibles, les couleurs sont très jolies, les finitions sont au top, j'aime beaucoup beaucoup. Et en bas, c'est comme ça. Alors pareil, c'est très échancré, j'ai un tout petit peu peur pareil pour le cucu, mais bon, écoutez, je vais voir. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs, j'aime bien le fait que ce soit en deux parties ici aussi. Alors je pense pas que ça va m'aller des masses, hein, clairement. C'est pas forcément le genre de bas que je prends d'habitude, mais j'avais envie d'essayer quelque chose de différent, donc on va voir. Bon, alors ce maillot de bain, j'aime beaucoup le haut. Je le trouve hyper mignon, c'est bien réglable, je trouve que ça me va bien au niveau du haut. Alors le bas, c'est une
catastrophe intersidérale. C'est-à-dire que j'ai pris quelques kilos ces derniers temps, mais là, ça me fait des boudins ici. Je sais pas si vous verrez. Ça me scie complètement la hanche et du coup, c'est pas joli. Et je vous montrerai pas derrière parce que ça me rentre totalement dans les fesses. Donc, c'est pas le style de bas que j'affectionne particulièrement. Je sais plus si sur le site c'était noté comme ça, mais voilà, c'est dommage parce que je sais pas ce que vous pensez, mais le haut, je le trouve hyper joli, quoi. C'est très très mignon pour l'été. Enfin, moi je trouve ça très joli, mais alors là pour le bas, clairement, non, ça me saucissonne totalement ici, quoi. Bon, regardez pas mon ventre, hein. Et puis de première jeunesse. Mais voilà, c'est là, ça me dérange. Troisième maillot de bain. Est-ce que c'est du deux pièces aussi? Je ne sais pas. Non, c'est du une pièce. Donc là, on est sur un maillot de bain color block un peu. Voilà, donc voyez, avec 3-4 couleurs différentes qui se règlent derrière comme ça avec des petites ficelles bleues. Les attaches sont en métal, pareil pour celui-ci. Et voilà, il est assez simple, hein. Les coussinets sont amovibles également. À voir, à voir. J'ai voulu prendre simple pour voir. Je crois qu'il était un tout petit peu décolleté, donc à voir ce que ça donne sur moi. Mais autrement, il est joli. Voilà. Mais c'est un des plus simples que j'ai jamais pris sur le site. Je me suis dit, peut-être qu'en testant du simple, tu peux avoir un coup de cœur. Donc on va voir. Premier maillot de bain, une pièce. Je le trouve affreux. Je le trouve affreux. Il est vraiment pas hyper bien coupé. Je sais pas si vous verrez ici, mais ça fait des vilains bourrelets. On voit à travers les, comment ça s'appelle? Les petits coussinets. Et je pense que si j'enlève les coussinets, on voit, mais c'est à travers. Donc voilà, c'est pas génial. Derrière, c'est assez joli parce que vous avez ce petit croisé de ficelle là. Il rentre pas dans le derrière, mais je trouve que c'est pas. C'est pas une grosse réussite. Clairement, je valide pas du tout ce maillot de bain-là et je pense que je le porterai pas. Il reste deux maillots de bain. Alors, celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est un une pièce ou c'est un deux pièces? Ça m'a l'air d'être un une pièce. Pareil, on est sur quelque chose d'assez simple devant. Hop, j'essaye de vous montrer comme ça. Imprimé tropical. Les coques sont amovibles. Le devant, c'est un vraiment décolleté rond tout simple. Par contre, à l'arrière, vous avez un lassage qui est assez sympa, noir, et qui descend assez bas. Donc ça, je trouvais ça sympa. Après, pareil, hein, rien à dire sur la qualité des maillots. Hein. Ils sont très beaux. À voir ce que ça donne sur moi, ce modèle-là. Alors, ça dépend un peu du corps de chacun. Mais clairement, il est très joli. J'ai rien à dire. À voir. Ce petit maillot de bain tropical, je suis très très à l'aise dedans. Je ne peux pas dire le contraire. Je suis hyper à l'aise dedans. À l'arrière, c'est bien coupé. Ça dépasse pas. Ça reste bien en place. C'est pas trop échancré et pas trop mémérisant non plus. Donc je trouve ça plutôt bien. Ici, c'est vrai que c'est pas le plus joli décolleté du monde. Mais je trouve que derrière, c'est mignon avec le petit lacet comme ça. C'est pas moche. C'est pas le plus original du monde. C'est pas le plus sexy du monde. Mais on est hyper à l'aise dedans. Et je trouve que le motif, il est mignon comme tout. Ça compresse pas trop la poitrine. Au niveau des bretelles, on peut bien bronzer parce que c'est pas trop épais. Donc non, je vois des avantages à ce maillot de bain. C'est pas le plus glam. Mais on est vachement à l'aise dedans. Dernier maillot de bain. Là, on est juste sur du tropical, ma chérie. Hop. Ah, c'est un une pièce aussi. Je sais pas, j'ai vraiment bien fait les choses cette fois-ci. Est-ce que mes niniches vont rentrer là-dedans? Je ne sais pas. En tout cas, il est très mignon. C'est-à-dire que voilà, on est sur un maillot de bain une pièce avec des coques et des armatures. Donc on est sur quelque chose qui voilà soutient. Mais j'ai un peu peur. Et les bretelles sont amovibles. Ça, c'est pas mal. Je dois dire que ça, c'est pas mal parce que quand on veut pas avoir la marque des bretelles, c'est cool. Et vous pouvez aussi, du coup, si vous voulez quelque chose un petit peu plus push-up, vous pouvez croiser les bretelles à l'arrière parce que ça donne, ça rapproche un petit peu plus les seins. Donc voilà, à voir si ça me va. Je sais pas si j'avais pas déjà commandé sur le site des maillots de bain avec armature et ça m'allait pas du tout, du tout. Donc j'ai un peu peur, mais bon, on va essayer. On va voir ce que ça donne sur moi tout de suite. Dernier maillot de bain, j'aime là, là. J'aime ça, le côté ceinturé, j'aime les couleurs, j'aime la forme en bas, il n'est pas trop échancré. J'aime bien l'arrière, ça va. Mais alors les coques, c'est pas ce qui me va le mieux. Je trouve que ça fait mamie. Ils auraient dû faire peut-être des coques un petit peu plus ouvertes, plus. Vous voyez ce que je veux dire? Plus.
comme ça. Du coup, en plus, mes seins les remplissent pas. Donc, ça fait peut-être un peu bizarre. Peut-être de loin, ça va. De près, je suis moins convaincue. J'aime beaucoup les couleurs. C'est vraiment dommage parce qu'il était vraiment mignon, ce petit maillot. Mais je pense que j'ai pas la poitrine suffisamment imposante, on va dire, développée pour pouvoir porter ce maillot de bain. Malheureusement, parce que je le trouve vraiment mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il met vraiment la silhouette en valeur. Mais alors, ces coques-là, c'est pas adapté du tout à ma poitrine, malheureusement. Voilà, voilà, tant pis. Donc voilà pour les essayages, vous avez vu que j'ai vraiment trouvé des jolies choses, notamment dans les tenues de plage, à part la robe caramel, que j'aurais peut-être du mal à porter parce que je la trouve très sexy, très... pas pour ma morphologie, voilà, mais j'adore la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'été, c'est absolument magnifique, surtout quand on est bien bronzé. J'aime les deux autres tenues de plage, voilà, la petite robe, la petite robe jaune aussi. Après, au niveau des maillots de bain, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup pour lesquels j'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime bien, mais c'est pas un énorme coup de cœur, sachant que c'est celui-ci dans lequel je suis le plus à l'aise. Je pense que ce sera un maillot de bain que je mettrai, vous savez, pour nager dans la piscine quand on veut être libre de ses mouvements et pas avoir un sein qui déborde. Voilà, on veut vraiment courir, sauter, tout ce que vous voulez avec un maillot de bain sans être embêté. Ça, c'est le genre de maillot de bain où vous êtes tranquille. Ensuite, j'aime bien celui-ci, même si je trouve que je suis un peu saucissonnée dedans et que je suis obligée de le serrer pas mal pour avoir vraiment un maintien qui me convient. On va dire que dans l'ordre de préférence, c'est celui-ci que j'aime bien. Parce que après les autres, celui-ci, ce en color block, je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il ne me va absolument pas à ma morphologie. Je trouve qu'on voit les coques à travers ou les seins à travers, mais ça, j'ai pas tenté. Mais il est relativement transparent, notamment du côté vert d'eau, ce que je trouve assez dommage. Ensuite, celui-ci avec les coques, c'est absolument pas adapté à ma poitrine, ce que je trouve dommage parce que j'adore les couleurs, je les trouve absolument somptueuses. Et celui-ci, j'adore le haut, mais le bas, c'est pas du tout pour moi. Là, pour le coup, je suis désolée, mais ça m'a pas. Ça me saucissonne, c'est trop échancré, je suis pas à l'aise. Voilà, mais le haut, je le trouvais absolument sublime, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Voilà, pour mes essayages, voilà, pour mes avis, vous avez vu un peu comment ça rend sur moi. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous aller à vous, sachant que chacune a sa morphologie, comme je le disais en début de vidéo. Ça peut, voilà, ne pas me convenir, mais totalement vous convenir à vous. Par exemple, le maillot de bain, le dernier que j'ai essayé avec les coques, si vous avez une poitrine plus importante que la mienne, peut-être que ça peut très bien vous aller. Voilà, ça dépend. Le maillot de bain, c'est très subjectif, mais bon, au moins au niveau de la qualité, vous savez que la qualité est au rendez-vous et que le rapport qualité-prix est top, surtout avec un code promo, je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Je vous remettrai tout ça en barre d'informations. Et voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air, donc un petit like, un petit dislike si vous n'avez pas aimé, un petit commentaire rapide, même un petit cœur, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste là. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, je vous mets dans les deux rectangles une petite sélection qui pourrait vous convenir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.